Bon alors bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo ensemble sur la partie usine. Donc j'ai fini de passer la chaux, on sème du chaux rouge. Et puis on est parti pour se mettre direct en accéléré. Allez c'est parti. Bon les amis, on se retrouve voilà vers la fosse à fumier des vaches, on va charger le fumier. Bon je m'excuse déjà parce que j'ai cassé ma souris, du coup je suis obligé de faire avec les touches du clavier pour le chargeur avant. Et je vous avouerai que c'est galère. Mais on va y arriver. Hein. De toute façon, hein, c'est bien. Hop là, j'ai dû pour monter. Donc voilà, j'ai mis le petit D22 ici, regardez, avec la benne. Hugo. C'est un peu galère, hein, j'ai envie de dire. Non, mauvaise touche. Ouh, doucement. Ah, il va y avoir de la casse, hein, c'est moi qui te le dis. Non, c'est l'inverse. Là. On va prendre le coup de main, t'inquiète, t'inquiète. Tac, tac. Tac. Hop là. J. Cette touche. On charge un peu de fumier, après on ira charger chez les vaches. Là, chez les vaches. Chez les cochons. Voilà, pour emmener ça un peu aux usines, pour qu'elles commencent à produire quand on va accélérer le temps. Du coup, je me suis rendu compte aussi qu'on avait oublié un champ à semer. Ah, attends. C'est le champ... là-bas à droite, là, tu vois, il y a le champ de maïs, là, et à droite, il y a un autre champ. Et bah, parce que le riz est en train de passer la chaux, et bah, j'ai pas passé le semoir, du coup, je m'en suis rendu compte un peu tard. Quand j'étais en train de pulvériser, le pulvérisateur est chaud, autant bouillir, du coup, bah, j'ai arrêté de pulvériser avec. Je dis, on s'en fout. Et je crois que je vais le revendre pour racheter, en espérant que ça ne me refasse pas.
Là, je vais essayer de le tester avec un autre tracteur. Il faut que j'aie le temps de le faire. Hop là. Vous allez, on dirait un peu en handicapé là, avec ces touches là. Tu vois, la souris, ça ira beaucoup mieux. Hop là. Là, je vais en racheter une cet après-midi. C'est bon. Hop là. Et puis c'est bon, on s'y habitue bien, hein. Juste rappeler les touches que c'est, et puis c'est bon. Hop là. Hop là. Attendez, on va essayer de le faire en vue intérieure. Avec le petit classe. Hop là. Oh là. Là, je suis dedans. Hop là, marche arrière. Puis on est parti. À l'autre, au cochon. Attendez. Par contre, je vais pas passer là. Attendez. Je vais pas me tourner la vue un peu. Ah oui, il faut faire avec les flèches, c'est vrai. Attendez. Là. On est pas mal là. Allez, on est parti. On va vers les cochons. Bon, regardez, j'ai accéléré le temps d'une nuit, ça a déjà pas mal grandi. Mais en croissance rapide, hein, bien sûr. Parce qu'on n'a pas le temps de miser ici. Et du coup, j'ai acheté d'autres usines. Mais je vous montrerai pas tout de suite parce que j'ai pas la souris. Je vous montrerai aussi tout le terraforming que j'ai fait sur toutes les usines. Voilà, et là, on a 174 000 plus la banque. Et plus 80 000 parce que je me suis trompé dans une usine, elle était placée trop haute. Donc voilà. Du coup, il faudra qu'on se rembourse les 80 000 et puis voilà. Hop là. Tac. On va switcher, hein. Parce qu'il y a les à pied, je veux bien, mais non. Du coup, il y a 9 000 là-dedans. Allez, on est parti, les amis. On fait le petit des 35 là. Oh, je pense qu'on peut la remplir cette benne, hein. On peut la remplir cette benne. Toi, je pensais qu'il allait moins servir que ça, le petit des 35. Ouais. Ça fait déjà 2 heures. Hein. Ah oui, j'ai oublié que les rails étaient assez galères à passer. J'avais déjà galéré à vide. Hein. Du coup, c'est pour ça qu'il y a plein, c'est encore pire. Les roues avant sont un peu petites en fait. Hop là! Hop là! Ça passe, t'inquiète. Le petit gyrophare qui fait plaisir. Ah, il va bien, hein. Moi j'aime bien ce petit D35. Il roule bien. Hop là. Les hangars sont bien pleins aussi, je vous montrerai, mais pas aujourd'hui, j'ai pas de souris. Là, je vous montre tout ça. Je peux déjà vous montrer un peu là à droite en passant. Vous voyez que c'est bien plein. Ah hein. Ouais, c'est bien plein. Cet hangar est plein d'ailleurs. Voilà. Comment on va se placer ici? On va se foutre comme ça là. Hop là, on va tourner là. Ah, ça tombe pas. Essayez de retourner. Ça passe. Hop là. On va éteindre le moteur pour pas gaspiller de l'essence. On va chercher le petit. Le petit classe. Allez, c'est parti. On se rhabitue aux touches. On va charger ça vite fait. Et puis on ira foutre ça à des usines en accéléré. Parce que ça aide d'être loin un peu le voyage. Pour l'instant, j'en ai pas mis à côté. Alors, c'est pas trop mal. Hein, j'ai dit, c'est déjà un bon début. Hein. Ouh là là. Oh, ça le touche. Pourquoi tu... Ah. Je veux pas être bien, attendez. Ah, c'est parce que je suis pas bien là. C'est tout. Tac. Marche arrière.
Bon, c'est comme ça qu'on va y arriver, hein. Tac, tac. Ouais, je vous mets au défi de jouer avec les touches hein, du clavier là. C'est K, J, N et virgule. C'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment chaud. Quand t'as l'habitude de jouer à la souris, c'est un grand changement, moi je dis. Hein. Hop là. Oula. Ah, je crois que c'est tout vide. Hein. Tac. Tac. Ah voilà. Hop là. Voilà. On va s'éteindre là comme ça. Et on va aller en accélérer et nourrir les petites usines. Bon, j'ai 15 000, hein, je pense que ça va pas aller bien loin. Faudrait que j'en mette à deux usines, ce serait pas mal. L'usine de raisin et l'usine de cimalon. Comme ça, on aurait deux usines au lieu d'une. Du coup, on est parti hein, en accéléré. Bon les amis, on se retrouve dans le champ que j'avais oublié de semer, voilà, on est tout au fond de la map, dans l'angle. Voilà, et du coup je suis en train de le semer en peuplier. Heureusement que j'ai le semoir cheat. Vous voyez, on a pas mal de stockage de graines, mais regardez comment ça descend vite. J'ai juste fait ça, la lignée là, je suis déjà à 94, alors que la dernière fois, j'ai pu faire tous les champs en culture normale, j'ai pu faire tous les champs avec ce semoir, tous nos champs, et ça m'avait bousillé 50% du semoir, alors... Voilà, ça va faire comme la canne à sucre, ça va descendre très vite. Donc voilà, on aura pas mal de peupliers. Je sens qu'on va bien se faire chier pour les récolter avec une barre de coupe de 3 mètres. Mais bon, on va y arriver. Hein. Bon bah on est parti en accéléré directement.
Bon les amis, on se retrouve, du coup j'ai semé le champ à côté, voilà, et vous avez vu que j'ai consommé que 50% du semoir. Du coup finalement ça consomme moins que la canne à sucre, mais plus qu'une culture normale, voilà, parce que j'ai consommé 50% pour le plus petit champ qu'on a, voilà. Et donc là je suis en train de recréer des champs, parce que j'avais envie, tout simplement. Donc voilà, on va créer la parcelle ici entre les rails, et la parcelle à droite là-bas. Que à la base je comptais labourer que si j'avais la motivation, la légère motivation, du coup bah, je laboure tout simplement. Donc on va labourer ça et puis bah, voilà, on est parti en accéléré encore une fois. Hein. Moi j'aime bien les accélérés en ce moment, ça va bien, c'est bien pratique. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve, du coup je suis en train de monter le chargement de nouveautés, l'épandeur en grès, j'ai changé de couleur parce que j'avais envie, et parce qu'il était bugué comme je vous avais expliqué. Puis une barre de coupe à maïs, voilà, parce qu'on a du maïs, simplement. Donc, voilà, on arrive à la ferme avec le petit camion qui monte à 200. Mais je suis con!
On va le faire ensemble, hein, en espérant que je le renverse pas. Parce que là, tu tournes à peine la direction, là, ça chavire. Hein. Hop là. Regardez l'usine de ketchup là à gauche. Je ne l'ai pas encore montré d'ailleurs, je n'ai pas fait encore le tour des usines. Faut que je finisse un peu le terraforming avant. Oh non, c'est le suivant. Ça ralentissait, mais non, ça vaut pas le coup. On va aller tout au bout. Hop là. 200 km/h, en vrai, c'est calé, hein. Ça va assez vite, c'est sympathique. Oh, j'aimerais bien un camion qui monte à 300, mais bon, faut pas trop en demander quand même. Mec, attends, on habite à l'autre bout de la map en même temps. Allez, on ralentit doucement pour pas verser le chargement. Voilà. Allez, tourner à 50, voilà. Ça versera pas. Ouh, j'ai cru qu'elle partait. Voilà, ça a passé. Voilà, on est à la ferme. Et les orteils qui vont déposer. Nickel, nickel. Mais vu qu'il y a pas mal, alors, surtout. Tac. Et voilà. Les nouveautés sont arrivées, du coup, on va décharger tout ça. Et puis voilà. Hein. Bon, bah, les amis, je vous montre les usines directes après. Et puis voilà, après, on se retrouve pour les prochains travaux. Bon, les amis, on se retrouve du coup pour une petite visite, voilà, par les airs. Regardez, du coup, on est à la ferme. Voilà, il y a eu quelques changements. Du coup, j'ai mis un abri pour modifier les véhicules et une pompe à essence. Voilà, j'ai mis un arbre aussi ici. Et j'ai mis un abri pour la barre de coupe à maïs, parce qu'elle ne rentrait pas dans les autres hangars, tout simplement. Voilà, il y a toujours les cochons et tout, l'usine pour la nourriture pour cochons. Après, ici, il y a l'usine à cimalon, qui fonctionne. Voilà, je sais toujours pas ce que c'est les cimalons. Je sais vraiment pas ce que c'est ces cimalons. Ça pousse sur des herbes, apparemment. Voilà, bah voilà, hein. Ça, elle fonctionne. Voilà, ensuite ici on a l'usine à sucre, toujours. Voilà, l'usine à sucre elle est là. Ensuite ici on a l'usine à popcorn. Voilà, j'ai toujours pas restructuré, mais c'est pas bien grave. Ouais, il y a besoin d'aller derrière. Ouais, bah je remarque, je laisse comme ça. Ensuite on arrive ici, on a l'usine, les vignes. Voilà, l'usine à raisin. À côté on a notre petite ferme, du coup avec deux hangars pour les remorques camions. Il y a un petit hangar comme ça. Ici, on a toujours l'usine, la distillerie de pétrole. Voilà. Ici, j'ai rajouté un hangar comme ça de base pour ranger toutes ces palettes. Le carton, les palettes, les rondins de bois, les planches et les papiers. Voilà. Ensuite, passons ici. Il y a toujours l'usine à coco qui ne fonctionne toujours pas parce qu'il faut du caca, du fumier, voilà, je cherchais le mot. Ici, il y a l'usine à vin, qui transforme le raisin en vin, voilà. Derrière, on a l'usine à tabac, voilà, la petite usine à tabac, qu'il faut, à cigarette, hein. Ouais, c'est mieux, cigarette, il faut amener du tabac, voilà. Ici, on a une distillerie, voilà, ça fait du rhum, du rhum, attendez que je me rappelle. Ah, c'est pas marqué. Ça fait du rhum, du whisky et je sais pas quel alcool. À côté, le bâtiment gris, la carrée, c'est l'usine à œufs. Voilà. Ici, c'est pour acheter des poules. Ici, bah, je peux pas y terraformer. Dommage, j'avais fait un super beau truc et tout et celui-là, cette usine a tout cassé. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'usine à bouteilles, bio. Voilà. Juste à côté, on a l'usine à vodka. Voilà. Ici, au fond, on a l'usine à magazine. Voilà. À côté, l'usine à ketchup. Ici, l'usine à poisson. Voilà, on fait des poissons. Après, ici, c'est l'usine à bière. Voilà, tranquillement. C'est dommage qu'on puisse pas reterraformer là-dessus pour faire de la couleur. On pourrait faire un truc sympa. Et puis plus loin, ici, on a toujours nos deux fruits de pompe, voilà, que j'ai refait toujours le terraforming des couleurs. C'est un peu plus joli, tout simplement. Donc voilà. Puis après, vous voyez, c'est tous nos champs. Le raid de cabotage, c'est grave joli, en vrai. C'est le chou rouge. Voilà.
On va aller voir vite fait un endroit pour l'usine à carton qu'on va placer à côté de la forêt d'IKEA là. Je sais pas du tout où on pourrait la placer. Je sais pas, peut-être là sur le côté de la plage là. Ça m'a pas l'air mal. Là notre canne à sucre, elle commence à pousser, ouais. Nickel, sinon faut la foutre dans le champ de canne à sucre, j'avais pas trop envie. Non mais là il y a des arbres. Moi je pense que c'est pas mal hein, où j'avais dit là, sur le côté de la plage, ou là au milieu des maisons, mais ça fait mal les maisons et les maisons. Et puis à côté du parking ici, ça peut être vraiment pas mal. Bon, on nique un peu la plage, mais on s'en fout des plages. Nous on est là pour faire de la thune. Et voilà. Donc bah on n'est pas trop mal hein. Voilà, du coup j'ai semé, on a semé ensemble les deux derniers champs là-bas qu'on vient de créer, que je viens de créer. Du coup j'ai planté des salades et du blé. Petit enregistrement. Voilà, des salades et du blé, voilà, nickel. Et puis bah c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette petite visite vous aura plu. Et puis à très vite. Bon les amis, du coup on se retrouve, on va aller vendre un peu de diesel parce qu'il y en a pas mal. Même plus que pas mal. Voilà, on va faire un voyage de 180 000. Parce que là, il y a 400 000. Donc voilà. Hop là. Voilà, ça remplit vite. Avec le Peter Bully. Voilà, c'est un camion qui va pas très vite. Enfin, 153, c'est correct. Mais il est très loin accéléré. Mais il traîne. Il est très puissant. Il traîne 180 000 litres. Tranquille. Du coup, ça fait plaisir. Regardez ça, ça c'est pas nickel. Bon, il avait un peu, c'est normal. Hein. Mais le Mac, là, le rouge, il levait bien plus, il allait bien moins vite. Donc voilà, bon, bah, on va prendre la route en contre-sens, mais ça évitera de faire un détour. Je vous dis direct. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire un détour comme la dernière fois. Du coup, on va se faire un peu de thune. De toute façon, là, on a encore 110 000 qu'on doit prendre, qu'on doit se guiver à cause de l'épandeur engrais qui a bugué, à cause de l'usine l'autre jour que j'ai dû revendre, que je me suis toujours pas revive. Du coup, il y a 110 000 et il marche toujours pas, les pendeurs en vrai. Du coup, j'ai monté pour rien. Je suis refait. Voilà, du coup, je l'ai vendu. C'est pour ça qu'on a un peu plus d'argent. Donc, voilà. Et je sais pas ce qu'on va faire pour les pendeurs en vrai. Du coup, je pense qu'on sera obligé de prendre une base, mais ils sont quand même, ils pulvérisent pas bien large et ils ont pas des grosses quantités. C'est un peu chiant, ça. Et du coup, voilà, je sais pas trop comment on va faire. Au pire, on pulvérise pas. C'est peut-être une solution. Pulvérisation une fois, c'est suffisant, de toute façon j'ai pas envie de me faire chier. Si les autres membres de l'équipe sont motivés pour y faire, bah ils le feront. Hein Bobo? Ou Romain? Ou Technocrate? Si vous êtes motivé à pulvériser, vous ferez avec un petit épandeur. Le plus gros de base, mais du coup il est un peu plus petit que ce qu'on avait. Voilà, on arrive au point de vente. Allez, bon bah, on va s'arrêter là, de toute façon, la vente de la remorque, vous l'avez déjà vu l'autre jour. Et puis bah, c'est pareil, puis c'est assez long de décharger, donc voilà. Bon bah les amis, on se retrouve plus tard. Bon les amis, j'ai acheté deux nouvelles usines avec la vente du carburant. Du coup, il y a l'usine à gravier, voilà, il faut juste du carburant, du coup je vais en aller directement. Elle coûte assez cher, c'était 400 000. Puis j'ai acheté l'usine à chips, vous la voyez là-haut à gauche. Là, elle est toute jaune, voilà, McCain. Donc voilà. Il faut des patates, il faut plein de trucs. Il faut du sucre par contre, enfin du sel. J'ai pas de sel pour l'instant. Donc voilà, on va tourner. Voilà la petite usine à gravier. Alors je pense qu'on met du pétrole ici. Hop là, diesel. Voilà, nickel. Par contre, je sais pas ce que ça me fait du tout, parce que c'est pas marqué ce que ça fait. Je sais pas, ça fait de la terre normalement.
Mais ça met comme ça, du coup, je sais pas. Ça met comme ça, du coup, je sais pas du tout ce que ça va faire. On va pas remplir en pétrole, on va voir ce que ça fait. Hop là. J'ai mis combien, tiens? Voilà, d'accord. Ouais, d'accord. Travial Pit. D'accord. C'est... Ouais. Ouais, ça m'aide beaucoup. Bon, j'ai mis 40 000, du coup, voilà. On verra bien ce que ça me fait. Voilà. Ça a pas l'air de vouloir sortir quelque chose. On verra bien. On verra bien. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu, alors n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, à vous abonner, et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.